Bonjour, je suis Baptiste Jules, je suis couteau suisse chez UXIS depuis 3 ans. Je suis issu de l'école Espace située à Lille. Ma formation à Espace, c'était une double compétence basée sur le commerce et la science. J'ai pendant cette formation eu l'occasion de participer à un stage à l'étranger de 6 mois, me permettant d'améliorer grandement mon niveau d'anglais en 3e année. S'en est suivi 2 années de master dans lesquelles j'ai approfondi mes compétences en commerce et puis également en sciences et plus particulièrement dans le biomédical. Le Hipster, pour moi, c'était une belle opportunité. Un bootcamp de l'innovation où se rencontrent des entreprises et des étudiants venus de différentes écoles qui doivent répondre du coup aux problématiques apportées par ces entreprises. C'est durant cet événement que j'ai pu rencontrer Simon Collin et Amandine Labbé. Alors, notre activité est portée sur le design orthopédique. On est print designer et imprimeur dans le milieu de l'orthopédie. Alors, le profil Espace, c'est assez cohérent avec notre activité parce qu'en fait, on est dans le milieu du paramédical, donc il faut des notions quand même de ce qu'est le monde du médical, paramédical et orthopédique. Donc c'est des profils un peu couteau suisse, comme disait Baptiste tout à l'heure. Le Hipster, on me l'a proposé quand j'étais en incubation chez Aura Santé. Pour moi, Hipster, c'était l'opportunité de porter un regard assez neuf à notre activité et en tout cas notre problématique marketing. Je résumerais Hipster en 2-3 mots comme étant une bonne aventure qui permettait de rencontrer des belles personnes, des bonnes entreprises, d'augmenter son réseau. Et au moins, là, c'était un moment pour se poser et pouvoir partager un peu la vision que nous, on avait, la confronter justement à des groupes d'étudiants qui ont des compétences multiples. La clé de notre collaboration, pour moi, c'est le fait que tu sois quelqu'un aussi d'assez ouvert, que tu aies compris tout de suite les enjeux d'une start-up. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que tu bosses pour toi, pour ton poste. J'ai vraiment l'impression que tu bosses pour la marque, pour UXIS et son développement. Et moi, c'est ça qui me plaît chez toi.